Ah bah on va rentrer dans cette baraque là. Bon ça a passé la patrouille de rue, c'est ce que j'ai fait. Ah non, il faut le faire. Un peu le bordel hein, ici. Hein? On peut le prendre ça? D'accord. Il y a des petits objets comme ça qu'on peut récupérer. C'était quoi que ça disait dans le 3 aussi? Ça disait Mommy? C'était chaud. Elle Wellrod comme dans le 3, hein. Piqûre de moustique quoi. Allez, m'a rendu mes 3 munitions. Ce qui est bien. Là j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc on peut avancer. Là il y a un mec. Là il y a une sulfateuse mais il n'y a personne. Bon je sais pas si on peut sauvegarder. Non, en fait ça sera toujours des points de contrôle. D'accord. Le bruit que je fais quand je marche en fait. Ok. Donc il doit falloir peut-être désinguer les deux mecs, je suppose. Parce que là j'ai. C'est quoi? Ah non, faut que j'aille à deux endroits. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se le faire à la furtif, on y va à la bourrée. Furtif, je peux passer là, me mettre à couvert par là, le désinguer lui, aller près du camion. Ils sont trois quand même là-bas. Alors que là j'ai une bonne couverture, si je fous ma merde ici, c'est pas très grave, je dois pouvoir les désinguer. On va se les faire comme ça. Ils bougent mais ils doivent pas savoir où je suis. Quelqu'un voit quelque chose? Non. Vous ne voyez rien les enfants. Toi par contre je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Tu t'es couché par terre. Ah, par contre, ils m'ont vu là.
Allez, je l'ai eu. Tuez le sniper. Oh, il essaye de sauver son copain. Non, 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 tu partiras pas. Eh, c'est pas mal ça. Oh la vache. Oh, dans les couilles. Oh, j'ai fait un trou au cul. J'ai fait un deuxième trou au cul. Excellent. Ah, par contre, il en arrive un paquet, hein. Ah putain! C'est lui là! Dégage! Par contre, j'ai... Ah si, y en a un là! Hop! Toi, tu me feras pas chier! Eh bien, je crois que c'est bon. Si je dis pas de bêtises, hein. Je crois qu'on a nettoyé la zone. Voilà, on peut le faire vraiment de plusieurs manières différentes. Voilà, j'ai fait à la bourrine parce que voilà. Vous voulez voir ce que ça donne? Oh putain, il y a un sniper. Je vais me faire, je vais crever. T'es, il est où? Putain, je le vois pas. Ah, ça y est, je l'ai vu. Putain, il est loin. Il va falloir qu'on court, les enfants. On va essayer de se rapprocher. Où c'est que je peux me planquer? On va essayer de se planquer derrière le petit muret là-bas. Il va falloir qu'on court vite, hein. Allez, go! Et on va aller derrière le camion. Oh, tu peux te mettre à couvert derrière le camion? Sous ma gueule? On va se mettre à croupier alors. Il est où cet enfant? Ah, je le vois. Putain. Quel influent. C'est bon, je l'ai eu. Oh, plus de balls! T'as plus de balls, mon gars! Tu m'as pété les couilles, je t'ai cassé les tiennes, quoi. Ok. Bon, je pense que la voie est libre. Hein.
Regardez-le. Ah ben voilà. Et c'est lui tout à l'heure où j'y ai fait un trou au cul. J'y ai fait un deuxième trou dans le boule quoi. Énorme. On va fouiller le corps. Munition au max. Plus une mine. Ah, c'est pas mal les impacts qui restent. Je crois pas que dans le 3 il restait les impacts comme ça sur les corps. On voit par où je suis rentré et par où je suis sorti. Ça c'est celui qui portait son collègue tout à l'heure. What? D'accord. C'était un avion juste. Je vérifie. Il n'y a rien. Bon, je pense que la zone, on l'a nettoyée. On va pouvoir aller là-haut. Allez, grimpe. Ramasser les trucs cachés, d'accord. Regardez-le. Ciao. Oh, je l'avais pas vu, hein. Sans déconner. Et tout à l'heure, là, j'ai foutu le bordel, là. Il a rien vu, lui. Allez, continue. 28 mètres de l'objectif. Il y a... Ouh, putain, il y a un sacré paquet d'enfoirés là-bas. Il y a un paquet d'enfoirés. Pas vu. Voilà, ils m'ont pas vu. Toi aussi, ciao. Toi aussi, dans le coup. Ouais, dans le coup. Je sais pas pourquoi, mais je sens l'enflure qui va arriver de ce côté là-bas. Là, il était sûr. Ouh. Je crois que c'est bon, on a réussi. On a réussi à se faire cette zone. Allez, dehors des munitions là.
Ah, c'est que j'ai des grenades. Alors, mine antipersonnelle, dynamite, mine. Voilà, j'ai des grenades aussi. On va se mettre les grenades, au cas où. Oh putain! On va essayer de se faire les deux, comme tout à l'heure. Allez, je me fais les deux ou pas? Ouais, je vais me faire les deux. Je vais me faire les deux! Un. Et deux. Oh, le trou que j'y ai fait! Ah, il faut qu'on aille le voir. Ah, il faut qu'on aille voir sa tête. Je vais prendre des risques, mais je vais aller voir sa tête. Ah, parce qu'on lui a fait un putain de trou. Allez, ah merde, on le verra pas. Ah si. Oh, regardez ça. Oh, le méga trou, quoi. Allez, fouiller corps. Après, c'est des jeux qui sont pas déplaisants, les Sniper Elite. Hein. C'est peut-être pas du grand jeu tactique ou autre, mais moi, je trouve que c'est un bon défouloir, un bon passe-temps. Je trouve que c'est un très bon TPS. Comme dans le 3, hein, des positions géniales quoi, de Kamasutra. Voilà, bienvenue dans la gestion de physique des Sniper Elite. Dans le 3, c'était déjà le cas. Ils ont pas... En fait, ils ont gardé le défaut du 2, quoi, dans le 3. Ah ben voilà, j'arrive à l'objectif. C'est ici. Objectif terminé. Nouvel objectif. Poser des charges aléatoires. D'accord. Je peux poser des mines, hein. Alors j'ai des mines antipersonnelles, j'ai des grenades, j'ai de la dynamite. Hein. Ah d'accord. C'est un petit peu scripté, je peux pas faire ce que je veux quoi. Les charges, il va les poser lui-même. Ok. Merde, putain. Oh putain. Barrons-nous. Oh le con. Oh la vache. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit là. Bande d'enflure. Allez, on sait qu'il y a des mecs. Moi je pensais qu'il n'y en avait pas. Pas avoir deux fois. Oh, on peut couper par la ruelle là. On va couper par la ruelle alors. Je pense qu'elle est pas là de manière innocente cette ruelle. Hop là, je sors ça de ma poche magique. Hein. On va passer par là.
C'est dommage qu'on peut pas rentrer dans les bâtiments là, se mettre un petit peu en hauteur, essayer de préparer une grosse stratégie. Là il peut pas grimper. Ah si, il peut. Oh putain, je viens de découvrir un truc. Ben, du coup, voilà, on est arrivé par un autre endroit. Et qui se situe normalement pile en face les enfoirés. Je crois qu'ils sont dans cette espèce de bar là. Et il doit y avoir une enflure en hauteur là. Parce que tout à l'heure, je me suis fait canarder. Oh putain, l'enfoiré. Oh, je l'ai pas vu le mec. Oh, le bug. Je suis dans un bug. Les gars. Putain, il arrive pas à remonter. Ah putain, je voulais me le faire en plus. Oh putain. Ah si, il est là. Ciao. Allez, je crois que les mecs ils sont là, hein. Et dans le bâtiment en face, il y avait quelqu'un ou pas? Non. Hein? C'est une blague? Bien sûr, la grenade, je me la balance sur moi. Ciao. L'enfoiré. Ramène-toi. Ramène ta fraise. Oh! Par où il est passé? Ah mais ah oui d'accord. Je l'attendais ici moi. Mais en fait il a fait le tour. Putain, il a eu vite fait de faire le tour quand même. L'objectif est là. On va placer l'autre charge. Ouais, ma grenade, je voulais faire péter le camion, mais je pouvais pas faire péter le camion. Parce que c'est scripté. Objectif terminé. Nouvel objectif, rejoindre le point de vue. D'accord. Et ce point de vue, il est là-bas. Hop, on va prendre le silence. Il y a un mec. Il y a un mec quelque part.
Non. Non. Les effets de lumière sont plutôt pas mal quand même. C'est plutôt bien géré. C'est étonnant qu'il y ait personne. Voilà, qu'il y ait personne. Hop, hop, hop. Oh! Il était en train de bâiller. Et pile poil dans la bouche. Et je trouve que au niveau de la gestion des dégâts. Je trouve que c'est mieux que le 3. Alors, je sais pas si c'est une impression. Mais autant les ralentis sont mieux dans le 3 parce qu'ils sont plus précis avec les organes vitaux et tout ça. Autant dans le 2 là, je trouve que les éclaboussures de sang, tout ça. Et les impacts de balles, ça rend beaucoup mieux. C'est ça mon point de vue. Ah non, il faut vraiment se mettre très très haut. Yahoo! Je me suis fait avoir. Pas possible. Quelqu'un m'a repéré. Il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. J'ai pas vu qui c'était. Je suis un mélange d'accent allemand et belge moi en fait. Par contre ouais. Il doit y avoir un sniper quelque part. Et je sais pas qui c'est qui m'a vu en fait tout à l'heure. Hein. Je vois personne. C'est pas grave. Il y a un mec pas loin, hein. Il y a un mec qui est vraiment pas loin, en fait. Mais je vois pas où il est. C'est stressant là. Wow, 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 wow. Putain. Piqûre de moustique quoi. Putain de Wellrod de merde. Hein. Et t'es là le mec. Bon du coup, j'ai fait le plein de munitions. D'accord. J'ai voulu passer par là. Et ça marche pas.